What's up, c'est Loco dans les Joss avec Urban Bridge. Fin 2014, ouais. Fin 2014. A marqué un réel tournant, une réelle ouverture dans ta carrière. Est-ce que tu étais prêt à ça? Est-ce que tu savais que ça allait autant porter? Je sais pas, je ne dirais pas, c'est compliqué de répondre à cette question parce que je ne serais pas honnête si je dis que je n'étais pas prêt à ça. Je ne serais pas honnête si je dis que je n'étais pas convaincu que j'avais quelque chose de particulier à offrir. On ne quitte pas Polytechnique au Cameroun si on ne pense pas vraiment avoir quelque chose sur quoi compter. Mais est-ce que j'étais prêt à un succès instantané? Non. Est-ce que j'avais vu que le succès allait que les choses allaient s'enchaîner de cette façon? Non. Je pense que j'étais juste convaincu du fait que j'ai quelque chose de particulier et qu'il est important que je le partage avec le monde. Tu l'as dit, tu es l'un des artistes camerounais les plus connus du pays pour album. Comment tu fais pour être aussi consistant, vu le contexte notamment? Alors, excusez-moi de commencer par dire ça. Sur la durée, je suis le plus productif, pas l'un des plus productifs. Comment je fais pour y arriver? Je suis vraiment passionné. Je ne le fais pas pour le fame. Je pense à ma carrière d'artiste et interprète. J'ai aussi une casquette de compositeur. Il est important pour moi aussi de laisser derrière moi des formules pour la génération qui nous suit, qui vont leur permettre de trouver plus aisément leur équilibre entre leur identité et comment offrir quelque chose dans le monde. Donc c'est toutes ces casquettes-là qui me maintiennent motivé et qui me poussent toujours à continuer à produire, à continuer à offrir. Parce qu'il y a des titres qui sont pour Loco l'interprète, il y a des titres qui sont pour Loco le producteur, il y a des titres qui sont pour Loco qui est soucieux de son legacy. Du fait que, un exemple par exemple, Les Bruits, quand je fais un titre qui sont Drill, Makossa, ça n'a rien à voir avec la DA de Loco. Mais c'est parce que je sais que le hip-hop est très important pour moi et qu'il y a des jeunes artistes talentueux au Cameroun qui voient ce qui se passe dans le monde en question de drill, mais qui peut-être ne savent pas comment y infuser leur identité. Donc à ce moment-là, je me dis que c'est important pour moi de leur montrer la voie. Donc je pense que c'est toutes ces casquettes-là qui me maintiennent motivé. Déjà, il y a un nouveau mouvement qui s'appelle la New Generation au Cameroun. Comment tu perçois la chose? Est-ce que tu es sûr au quotidien? Comment tu ressens ça? Alors, il y a certains que je suis. Il y a un par exemple qui a carrément enfin je vais pas dire qu'il a mon nom, il s'appelle King Arthur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Moi on m'appelait King Arthur plus jeune. Récemment j'ai découvert un, je crois qu'il s'appelle Benai, si je me trompe pas, j'ai pas envie d'écorcher les noms. Ils sont nombreux là que je peux citer, je sais pas si on va mettre Ego and Prido dans la nouvelle génération. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent, j'aime bien ce qu'ils font et je vois d'un bon œil. Ça fait plaisir parce que quand j'ai commencé ma carrière, il y avait pas vraiment de raison de commencer une carrière d'artiste musicien. Il fallait pouvoir se dire qui, par exemple, s'en sort. Quand nos familles s'opposent à cette carrière, c'est parce qu'ils veulent qu'on s'en sorte demain. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a toute une génération qui est motivée à le faire, je me dis que quelque part, on a bien fait le taf aussi. Comment tu as su surmonter, comment tu fais pour gérer ces batailles-là? On est des êtres humains, au-delà d'être des stars, au-delà d'être des icônes, c'est des humains qui sont derrière. Ça veut dire qu'il y a des jours avec et des jours sans. Les jours sans, si tu tombes sur ces bad buzz, ça peut t'affecter. Et à ce moment, il est important d'être bien entouré pour pouvoir rapidement rebondir. Mais en dehors de ça, je pense que quand on choisit le chemin qui est le mien, ça veut dire qu'on prend le risque, on décide d'endosser le devoir d'être un leader. Quand tu es un leader, tu fais face à tout ce qui se présente face à toi et tu fais avec. Ok, est-ce que tu te considères comme un artiste qui a réussi et c'est quoi ta définition du succès en tant qu'artiste? Ah ouais, vous avez des questions. Alors un artiste qui a réussi, je pense qu'il y a plusieurs volets à cette question. Derrière un artiste, il y a un homme. Et la définition du succès pour un homme, de manière globale, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Donc, pour être un peu plus direct, je dirais pas totalement, parce que le parcours il n'est pas encore terminé, le voyage est encore en cours. Mais pour la partie du journey que j'ai déjà parcouru, oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de succès. Je pense que le succès, c'est de se trouver, c'est de réussir, surtout quand on vient d'un environnement comme le nôtre. La bénédiction que les Camerounais ont en tant que bilingues, c'est qu'ils sont, en tant qu'artiste en tout cas, du point de vue d'un artiste, c'est qu'on peut jouir d'influences culturelles de partout dans le monde. Mais une grosse bénédiction peut aussi être un gros curse. Parce que du coup, c'est plus aisé de s'égarer. C'est plus aisé de ne pas connaître quelle est sa propre identité. Moi, quand j'ai commencé, je crois que tout le monde le sait, on l'a vu quand je faisais mes covers.
forte identité R&B, soul, jazz. Aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir trouvé un équilibre entre mon ADN de Camerounais et de Mounassawa et tout ce que le monde peut comprendre et percevoir, je pense que ça fait partie de ma définition de réussite. Quand je reçois des messages de mes fans qui, je ne les connais pas personnellement, mais vont me dire que mes chansons les accompagnent dans leur vie, dans des moments difficiles, dans des moments où ils veulent se réjouir, c'est ça la réussite aussi pour moi, tu vois, c'est ça la magie de ce métier, c'est de pouvoir, grâce à des mélodies, établir des liens avec des personnes que tu ne connais même pas et leur apporter du réconfort, de la joie, des émotions et ouais, je pense que c'est du succès ça. Tu as récemment signé avec Sony Music. Malheureusement, on n'a pas eu réellement de détails dans ce deal-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On va dire c'est un deal de licence. Et plus ou moins aussi un joint venture parce que c'est Sony Afrique et c'est un peu de Columbia aussi. Il faut savoir qu'après mon expérience chez Universal, je ne voulais plus me retrouver dans une expérience 360. Ce qui est bien dans le fait d'être pionnier, c'est aussi qu'on est les premiers à faire face à certains traps. Donc il était important pour moi, après cette expérience-là, de ne plus me retrouver totalement signé sous un label. Donc aujourd'hui, c'est mon label Yema qui est en licence avec ces deux entités-là. Alors, 9 ans de carrière déjà. Bon, ça me donne aussi l'opportunité de corriger quelque chose parce que tout le monde a cru comprendre que j'allais célébrer 9 années de carrière. Non, j'ai juste sauté sur la 9e année pour rappeler que j'organise un palais des sports, évidemment pour la 10e année, pour célébrer les 10 ans de carrière. Mais j'ai choisi la 9e année parce que dès le début, j'avais annoncé que je serais le 9 de la musique camerounaise. Et aujourd'hui, c'est important de dire, OK, 9 années plus tard, est-ce que je suis le 9 de la musique camerounaise? En tout cas, de mon point de vue, oui, je le suis. Et qu'est-ce que ce concert veut représenter pour moi? Je pense que j'aimerais, dans ce concert, mettre en avant toutes les raisons pour lesquelles je me suis sacrifié toutes ces années. Les gens qui nous regardent ne se rendent certainement pas compte du nombre du volume de sacrifices que ça demande pour réussir à faire ça à partir du Cameroun. Et donc, dans ce concert, c'est ça que je veux mettre. J'ai envie de permettre aux gens qui vont se déplacer d'oublier, parce que tout le monde là, les gens qui marchent là dehors, tout le monde se balade avec des bagages, des soucis ou bien whatever. J'aimerais que lorsque les gens viennent à mon concert au Palais des Sports, que du début jusqu'à la fin, ils oublient tout ce qui est soucis, préoccupations, qu'ils soient émerveillés par le fait qu'ils sont en train de regarder un produit né au Cameroun, mais qui n'a rien à envier à quoi que ce soit dans le monde entier. L'une des raisons pour lesquelles je suis artiste et pour lesquelles je défends ma façon de faire les choses, pour lesquels j'ai consenti à faire beaucoup de sacrifices dans cet environnement, c'est aussi pour tuer les complexes. Je suis un amoureux, un passionné de ce que je fais, de la musique, de l'art, de la culture. Et plus jeune, quand j'ai décidé d'embrasser ce métier, il y a une chose qui m'a beaucoup désolé, c'était de me rendre compte que moi qui étais dans une formation d'ingénieur, quand je disais que je quitte une école d'ingénieur pour devenir artiste musicien, on me prenait pour un clown, comme si c'était un métier de, je sais pas comment dire, pour ceux qui n'ont pas de jugeote ou bien qui, comment on dit souvent, l'école t'a dépassé. Aujourd'hui, je pense que ça fait partie de my reasons, the reason why I am what I am. Et l'important pour moi de leur dire, hey, c'est un métier noble et put some respect on my name. Donc c'est un peu ça que ce concert va représenter. Si tu devais citer 3 personnes qui ont eu un réel impact dans ta carrière. Waouh. Oh là 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 là. 3 personnes qui ont eu un réel impact. Alors, je vais commencer par 3 cases. On va séparer ça en 3 cases, d'accord? La première case est constituée de 3 personnes. Mon petit frère et 2 amis à moi, Willy Kay et Paolo. C'est des personnes qui, en tout début de carrière, ont vraiment cru en moi. J'insiste sur le vraiment cru en moi parce que c'est une chose de dire « Oui, tu es bon, tu vas y arriver. » C'est une autre d'être capable de dire « Hey, bouge-toi, viens, je te crains. » Par exemple, ton compte Facebook, vas-y, tu peux faire comme ça, machin. C'est une autre de se dire « Je te vois économiser tes 500 francs là. Je te vois aller prendre un side job alors que tu es étudiant à Polytechnique chez Creolink pour pouvoir être sur YouTube, apprendre. » Moi, je mangeais les how-to tout le temps. Pour ceux qui sont passionnés de créativité, franchement, YouTube, je vous le recommande. « How to do this », vous allez tout trouver. C'est une autre don d'être capable de se dire « Mon frère, je te vois faire ces efforts-là pour essayer de te produire, pour essayer de croire en tes rêves.
vas-y, tiens, moi aussi, je prends mon petit 1000 francs et je mets dans ta main. Pas parce que c'est un Mouna Bobo, pas parce que c'est, mais parce que lui-même, il croit vraiment en toi. Donc, je commencerai par citer ces trois personnes. Mon petit rêve, c'est, voilà, c'est une autre partie de moi-même. Donc, ouais. Donc, on va quitter avec la première phase. Alors, deux autres personnes qui m'ont beaucoup marqué dans ma carrière. Je pense, je parle souvent de cette fan que j'ai rencontrée lors d'un concert à Abidjan. C'était un concert à l'époque, il y avait Runtown qui devait clôturer le concert et moi je passais juste avant. Et Runtown, c'était la grosse star à cette période-là. Il avait un gros titre, Madovayou, je crois, je me suis plus très sûr, mais il avait un titre qui était vraiment très chaud. Et arrivé à Abidjan, bon, il y a eu des couacs. Je pense qu'il n'était pas content de deux, trois choses. Et donc, à un moment, le promoteur vient me voir et me dit, loco, écoute, là, il y a un problème avec la star nigériane, donc tu vas passer en dernier. Moi, naturellement, je suis une personne qui... Je suis confiant de mes compétences en tant qu'artiste musicien, mais parfois, je doute un peu de ma propre personne. Je ne suis pas la personne qui suis en mode, ah ouais, je suis trop fort, whatever, machin, non. Donc, j'étais un peu en panique en me disant, mais là, si je tape poteau, là... Au Cameroun, je connais mes frères, on va dire que oui, machin. Et c'était un concert dans un stade, carrément, je crois, si je ne me trompe pas. Et au final, je me retrouve en train de clôturer ce grand concert. Toute la population qui était là était conquise, était super heureuse de m'avoir, reprenait toutes mes chansons en cœur. Et il y a cette fan qui a dribblé tout le dispositif de sécurité jusqu'à arriver à moi. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai demandé au gros bas de se calmer. Et là, elle tremblait dans, comme une feuille dans mes bras. Et elle m'a dit ceci, elle m'a dit tout ce que je te demande, c'est que tu ne m'oublies jamais. Et ça, c'est quelque chose que je chéris dans mon cœur comme un souvenir. Parce que moi-même, je suis amoureux de musique. Moi-même, j'aime certains artistes. Mais est-ce que je serais capable de perdre mes moyens comme ça, de prendre ce risque par rapport à un artiste, juste pour lui dire, j'aime tellement ce que tu fais, que je veux juste que tu te souviennes de moi. C'est quelque chose qui me marque beaucoup et qui m'a fait me dire, ah ouais, quand même, je crois que je fais le plus beau métier du monde. Donc, il y a cette personne-là qui a vraiment boosté ma confiance en moi. Et, alors, s'il faut partir à une troisième personne qui a marqué ma carrière. J'essaye de ne pas raconter n'importe quoi, hein, donc permettez-moi de chercher. Qui ça? Ça peut être un peu compliqué. Hein. Qu'est-ce que tu penses qu'il nous reste, qu'il nous faut pour passer un palier concernant notre industrie musicale? Alors, je pense que la première des choses, c'est une question de mentalité. La toute première chose. On est très complexé chez nous, malheureusement. On a souvent l'impression que les cordes vocales des autres, chez nous, c'est, je ne sais pas trop quoi, c'est les cordes du Miondo ou du Bobolo. Bon, là, c'est les mêmes cordes vocales. Aujourd'hui, avec tout le respect du monde, hein, je me suis inspiré de Chris Brown, je me suis inspiré de tous ces artistes. Mais aujourd'hui, avec tout le respect du monde, je discute à la même table que tous ces artistes si on me met à leur table. Et il faudrait que les Camerounais soient capables de penser comme ça. Parce que c'est comme ça que d'autres industries arrivent à se développer. Une fois qu'on sera capable d'être aussi fiers de ce que nous-mêmes on a et aussi décomplexés, il y a beaucoup de choses qui vont changer, que ce soit au niveau de tout ce qui est mécène, sponsor ou bien whatever. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que même ceux ou ces entités qui devraient pouvoir injecter un peu plus d'argent, parce qu'il faut se dire les choses, hein, l'entertainment est un business qui demande beaucoup d'investissement et qui peut créer énormément de revenus sur le plan national, hein, qui peut vraiment booster notre économie. Mais tant qu'on regarde cela de haut, tant qu'on ne prend pas conscience que oui, effectivement, les parpaings, ça rapporte de l'argent, mais la musique aussi. Que ce n'est pas un side job ou bien, je ne sais pas, un secteur d'activité de seconde zone. Le jour où on sera capable de, voilà, comme je dis, d'être décomplexé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour le bien. Au niveau des médias, déjà, naturellement, vous aussi, je vous remercie. Au fil des années, j'ai vu beaucoup d'évolution, beaucoup d'efforts. Et je pense qu'on peut encore en faire plus. À un moment, j'ai cru voir un mouvement 80-20. Je pense que c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si c'est dans nos textes de loi, mais on devrait pouvoir jouer au moins 80% de ce qui vient de chez nous. Je vais vous raconter une histoire. Wizkid arrive au Cameroun. À ce moment-là, il est numéro 1 sur un des classements, je crois, classement Trace. Et je suis numéro 2. J'ai une personne qui est proche de lui qui crée le link-up pour qu'on se voit, pour qu'on échange.
On sort, on s'en va en cabaret, on passe une bonne soirée. À un moment, je prends le micro, ça se passe bien, on link up, ça se passe super bien. Mais après, on continue en boîte de nuit. Quand on arrive en boîte de nuit, le DJ qui était là, je ne donnerai pas son nom parce que ce n'est pas une question de tirer sur quelqu'un ou pas, mais il n'a joué aucun de mes titres. Il a enchaîné des titres de whisky, il a enchaîné des titres nigériens, des titres étrangers, et il n'a joué aucun de mes titres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Et encore à ce moment-là, je répète, effectivement, j'étais un rookie, mais j'étais the rookie. D'accord? Donc, quand j'arrive au Nigeria, les Nigériens ne jouent pas une seule musique étrangère. C'est-à-dire que limite, ils vont te jouer un peu de Sud-Africain, un peu de Ghanéen, juste un peu de United States, mais vraiment très, très peu, parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils font. Et ça ne se limite pas seulement à l'Afrique anglophone. Même nos frères ivoiriens ont un certain commitment. Ils ont une façon d'aimer ce qu'ils font. Je pense qu'on a besoin de cette fierté-là. On a besoin de se décomplexer pour pouvoir porter notre mouvement. Et il y a beaucoup de belles choses qui vont découler de ça. Notre secteur d'activité peut créer énormément d'emplois, peut créer beaucoup d'épanouissement auprès de notre jeunesse. Et je pense que c'est un mouvement d'ensemble. Le public, les artistes, les médias et les mécènes, les organismes qui sont supposés injecter de l'argent. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Si vous voulez être compétitif sur le plan international, à côté là, ils investissent énormément d'argent. Vous ne pouvez pas courir juste avec le talent, non. C'est utopique. Ça fait combien ton premier million de francs, c'est quoi? Waouh! Alors, maman, tu m'excuses. Il va falloir que je leur raconte. Alors, en gros, moi, malheureusement, j'ai perdu mon père dans un crash d'avion. Il était pilote dans l'armée de l'air de notre cher et beau pays. Désolé, chaque fois que je parle de ça, je suis un peu chamboulé. Alors, mon père, avant de décéder, avait souscrit à une assurance pour ses enfants. Je crois que dès qu'on atteignait 18 ans, on pouvait aller à l'assurance et récupérer 1 million de francs. Alors, je me rappelle, ma mère vient nous prendre. Et voilà, c'est bon, tu sais que ton père, il avait souscrit à une assurance et tout. Voilà, tu es en âge, on va aller, on va signer des documents, on va te remettre de l'argent. Quand on arrive, la dame s'assure de bien me faire comprendre. Hey, Charles Arthur, ça, c'est ton argent, d'accord? Ta maman est là à côté, mais ton papa avait fait ceci, machin. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, j'ai compris. On a signé le document, on m'a pris l'enveloppe, on m'a remis comme ça. Et je vous assure, histoire vraie, à peine l'enveloppe a touché ma main, j'ai senti une présence. Tu n'as même pas besoin de regarder. J'ai senti un regard qui te dit, mon gars, hein? Fais juste le geste. Donc, c'est ça que j'ai fait de mon premier million. J'ai tout donné à ma mère et elle mérite tellement plus. Je ne regrette pas. C'est quoi ton style de go? Waouh. Mon style de go sur le plan quoi? Physique, mental? Physique, moral, tout ça. Alors, on va commencer par le physique parce qu'il faut être honnête, c'est le physique qui t'appelle. Il faut qu'elle soit belle, frérot. On est né, on est grandi au Cameroun. Le Cameroun, il y a tellement de belles femmes, donc on a des exigences. On a l'habitude de voir les belles femmes. Donc, il faut qu'elles soient belles. Hein? On aime bien la chair. Il faut être honnête aussi. Hein? Parce que la vie, c'est dur. La vie, on reçoit des coups. Donc, on a besoin d'un petit coussin, un peu de douceur. Et intellectuellement, je crois que ça, on appelle ça quoi? Sapio? Je ne sais pas si c'est Sapio, je ne sais pas trop quoi. J'aime les femmes intelligentes. J'aime les femmes qui ont du répondant parce que j'ai un très fort caractère. Donc, si elle n'est pas capable de me recadrer avec de l'intelligence, pas avec mauvais caractère. Parce que la différence entre être intelligente et être badly brought up, comme on dit, elle est très fine. Mais si elle n'est pas capable d'avoir ce répondant intellectuel, je m'ennuie très vite. Donc, il faut qu'elle soit vraiment brillante, qu'elle sache, qu'elle soit ferme sur ses positions et sache qui elle est. Et ça, voilà, c'est voilà le cocktail qui me fait tomber. Voilà, tout premier. D'abord, Mouna Sava, c'est normal, le Ndolé. Le Ndolé, c'est la Champions League. J'ai vu récemment, là, un frangin était en train d'essayer de comparer le Ndolé, je ne sais plus trop à quoi. Le Ndolé, c'est la Champions League, arrêtez. D'accord? Le Ndolé, le Coquille, le Héros, le Kati Kati. J'avais failli oublier le Coq. Sucré et salé. Mon côté bassa, je suis obligé. Mon gars, moi, je suis un chopito, hein, vraiment sucré, salé. Tout ça, c'est le coq. On mange et c'est bon. La belle Yéma, est-ce que vous voyez ici les artistes? Quelle est réellement la vision par rapport à ce label? Alors, oui, effectivement, je prévois signer des artistes. Il y a beaucoup d'artistes même que j'ai accompagnés sans jamais le dire. Je suis une personne qui a à cœur de faire les choses
avant de portrayer au monde. La vision de ce label, c'est de venir se positionner comme moi-même, comme un ovni dans l'environnement, et de porter des talents qui ont une bonne moralité, qui ont ce qu'il faut pour faire une longue carrière et pour représenter le Cameroun à l'échelle internationale. Bon voilà, je précise bien, représenter le Cameroun à l'échelle internationale. Chez nous, parfois, on confond le fait de représenter le Cameroun et le fait de faire quelque chose qui ne sortira jamais du Cameroun. Il faut bien faire la nuance entre les deux. Bon, voilà. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Je vous encourage dans ce que vous faites. Franchement, vous faites les choses bien. Et justement, ça fait partie du mouvement. On a besoin que tout le monde, tous les acteurs de notre secteur de milieu se prennent au sérieux, comme vous le faites. Donc, merci et bon courage à vous.